Regardez ça, en quelle année l'association IFER a-t-elle été championne de France d'endurance scooter ? Le rallye citoyen EduCap City est l'occasion pour les 8 collèges d'Évreux de découvrir la ville de façon ludique. Encadrés par un adulte, les équipes composées de 6 collégiens parcourent la ville à la recherche des différents points de contrôle. C'est quoi les droits des enfants ? Alors, qui est le patron de la police municipale ? Le commissariat de police. Ah non, le maire. Ce rallye permet de créer des liens et de repérer les structures qui leur sont utiles. À l'aide d'un carnet de route et d'une carte, ils doivent organiser leur parcours. L'après-midi, sous forme de stand, les participants découvrent plusieurs activités en attendant les résultats. Je m'appelle Swan, je suis au collège Henri Dunant. Je viens de l'institution de Notre-Dame Saint-François, je m'appelle Ken. Ce matin on a fait une espèce de course d'orientation, on a été dans plein de coins et ils nous ont posé des questions et si on avait bon, on gagnait des points et tout. Je l'ai trouvée bien, très amusante et on a découvert plein d'endroits. On a été à la police municipale, on a été CIO. Bonjour, je m'appelle Kylie et je fais partie du PRE, Programme de Réussite Éducative. Moi j'ai trouvé que ça, au tout début, un petit peu difficile, mais après ça va. L'important c'est pas de gagner, mais de participer. EduCap City, c'est une vingtaine de villes en France qui se rassemblent à Paris pour l'étape capitale. L'occasion pour 2000 jeunes de découvrir Paris et de participer à différentes activités. Venons de René Cassin, à Cosne-Cours-sur-Loire, dans le 58. On est en 6e. Tous ensemble pour... On peut changer le monde. Tous ensemble, on peut changer le monde. Nous, on vient du collège Victor Hugo, à Issy-les-Moulineaux. Et notre slogan, c'est... L'éducap lutte contre le handicap et promouvoir la mi-citoyenneté. En 2024, EduCap City revient sous le thème des Jeux Olympiques. Vous serez peut-être les prochains élèves de 6e à y participer.